match, je pense que c'était bien. Pas forcément que moi, mais aussi l'équipe. Après moi, voilà, j'ai fait ma première passive et pour mon premier match, donc ça rajoute un plus. Sadece kişisel anlamda değil, kolektif anlamda da tüm takım gayet güzel işler yaptık. Bundan ötürü gayet memnunum. Önemli bir galibiyet aldık. Oyunun sonunda özellikle 10 kişi kaldıktan sonra zorlanmamıza rağmen 3 puanı kazandık. Genel anlamda gayet pozitif bir başlangıç oldu benim için. Si les supporters sont contents de mon match, tant mieux. C'est aussi pour eux que l'on joue. Après voilà, personnellement, je pense que je peux mieux faire. C'est mon premier match et ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas joué. Donc voilà, je pense que le meilleur reste à venir. Daha iyisini yapabilirim. En iyi performansım bu dersem doğru söylememiş olurum. Hala geliştirebileceğim birçok şey var. Fabrice'in koyduğu videoyu ben de gördüm. Çok ciddi bir şey yok. Sadece biraz ağrım var. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Pazar günü içinde bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. C'était mon seul choix de venir ici au Beşiktaş parce que pour moi c'est un grand club et pour moi c'est le plus grand club de la Turquie. Après, en ce qui concerne mon avenir, je peux pas vous le dire. Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum. Ve benim için en önemli kriter buydu. Gelecekle ilgili noktaya gelirsek de şu anda burada kendimi çok iyi hissediyorum. İyi bir ortamın içinde bulunduğumu hissediyorum. Neden olmasın? Tabii ki de uygun koşullar oluşursa uzun süre burada kalmak isterim. Ama şu anda odaklandığım tek nokta performansımın en iyisini ortaya koyarak, mümkün olduğu kadar yüksek sayıda maç oynayarak takıma katkı yapabilmek. Après voilà, c'est sûr que ça facilite les choses le fait qu'on soit 4 ou 5 Français. Mais après voilà, je parle un petit peu anglais, je vais prendre des cours pour pouvoir mieux communiquer avec les autres. Après moi mon poste c'est défenseur droit. Après voilà, si le coach fait un choix de me faire jouer ailier, je jouerai je pense là. Moi du moment que je joue et que l'équipe gagne, ça me va. Ben tabii ki de esas olarak bek pozisyonda oynayan bir oyuncuyum ama teknik direktörümüz gerekli görürse, gerekli durumlarda o pozisyonda da oynayabilirim. Burada önemli olan az önce de söyledim. Mümkün olduğu kadar yüksek sayıda maç yapıp pozisyon ne olursa olsun takıma katkıda bulunabilmek. Hasan Je pense que la plupart vous les connaissez tous. Après, si c'est plus personnel, je suis quelqu'un d'assez. En fait, j'ai envie d'être moi-même. J'ai pas envie de changer. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce tatouage parce que je suis qui je suis. Moi, ça me dérange pas de jouer à gauche. Après, pareil, c'est un choix du coach. Si je dois dépanner à gauche ou si je dois me mettre à gauche pour n'importe quelle raison, je joue à gauche. Pas forcément mon objectif, je préfère faire marquer les autres. Après voilà, si je marque, c'est un plus, mais je rentre pas sur le terrain pour me dire aujourd'hui il faut que je marque. Je rentre sur le terrain en me disant que il faut que je donne le meilleur de moi-même pour que l'équipe gagne et que j'essaye de faire une passe décisive, mais marquer, c'est pas. Et on a les attaquants pour ça. Et par rapport aux fans de Beşiktaş, j'ai déjà remarqué que c'était dans leur peau, on va dire. Limite, ils vivent pour le club. Et j'apprécie beaucoup, ça fait plaisir et ça donne envie de se battre. Après, en ce qui concerne sur le terrain, quelque chose de négatif, au contraire. On va, entre guillemets, on est payé pour jouer, donc on va pas se plaindre de jouer beaucoup. Et non, moi, on va garder un rythme, on travaille bons entraînements. Donc il n'y a pas de raison que ce soit un problème. C'est regrettable. Mais après, voilà, on s'est retrouvé à 10. On était un peu fatigué parce qu'on a beaucoup couru. Et puis voilà, ça nous a un peu déstabilisé de perdre Souza sur le terrain. Vu, à part, on va dire, de pas parler turc. Mais sinon, honnêtement, j'ai vu que des points positifs. Je connaissais pas du tout la Turquie. Moi, j'étais impressionné et mes amis qui m'ont rejoint ici ont aussi été impressionnés. Prévoir l'avenir, mais pour le moment, moi ici, je me sens bien. Je dis pas oui, je dis pas non pour rester ici. Comme je l'ai dit, je veux gagner le plus de matchs possible avec le Beşiktaş. Je sais pas parce que je vais pas aussi vite qu'Mbappé. Après, je vais vite, mais je sais pas, honnêtement, tant mieux, c'était marrant et voilà. Après, maintenant, c'est à moi de prouver que je suis rapide, quoi. Eğlenceliydi. Şimdi işte onu
kanıtlamanın, onu ispat etmenin vakti geldi. Sanıyorum son soru. Bu sen fotoğraf atmayın.